et règles. Que doit-on faire? On fait ou on ne fait pas du sport? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors c'est facile, il n'y a pas de règles. Oui, je suis désolée, jeu de mots, mais c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a ces règles qu'il y a une règle fixe, bien évidemment. Ça dépend de vous, de votre niveau d'intensité et de douleur de vos règles. Alors si elles sont très fortes, très douloureuses, que vous avez le ventre gonflé, vous êtes vraiment pas bien, les jambes coupées, à la limite couchées, évidemment, on saute sa séance. De là, fais pas, c'est pas grave, c'est pas pour une fois que vous allez tout gâcher. Non, prenez le temps de vous reposer et puis vous serez plus performante quand vous pourrez la faire en étant bien en forme. Si vous avez par contre des règles normales, pas hyper douloureuses, vous êtes un peu ballonné, vous avez un petit peu mal, mais ça va, alors oui, là, on y va, on fait du sport, on bouge. Pas besoin d'être ce jour-là dans la performance, parce qu'on n'est quand même pas bien. Et notre métabolisme, il n'est pas en super forme. Mais en fait, on bouge à son rythme. Au moins, on aura bougé, on aura fait sa séance. Donc, ce sera toujours mieux que rien. Alors, ce qui n'est pas l'idéal, pas super facile, c'est de faire des abdominaux hypopressifs. Vous voyez ce où on rentre le ventre en serrant son périnée. Si on est très gonflé, très ballonné, qu'on a des règles assez fortes, c'est pas confortable, ça va pas être agréable. Donc, ce jour-là, vous le faites pas, ce n'est pas grave, ça ne va de nouveau rien changer. Ce qui compte donc, eh bien, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Ça va pas du tout, on fait pas, on se repose, on prend le temps. Ça va, on y va à son rythme, sans forcer, pas spécialement le jour pour forcer. On fait pas trop les hypopressifs à ce moment-là parce que c'est pas idéal. Mais par contre, attention, ne venez pas me dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je vous vois venir. Hein? L'excuse là. Oh, je peux pas faire sport, j'ai mes règles. Ça, ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas d'accord. Je le répète, c'est en fonction du niveau d'intensité de vos règles. Si c'est vraiment impossible, vous le faites pas. Hein? Si c'est moyen, faites agir votre mental. On se bouge, on y va, ça va vous faire du bien, mais on y va à son rythme. Donc voilà, c'est simple. Sport et règles, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de règle, c'est en fonction de vous, votre ressenti. Ce n'est pas le jour pour être performant, mais on bouge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on like, partage, on commente, on s'abonne, on follow pour me soutenir. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos, astuces, sport et bien-être. Rendez-vous aussi sur ma plateforme BeFitGood, la plateforme qui fait du bien à l'esprit et au corps pour un esprit heureux dans un corps heureux. Bye!